look at you. You only come around when the bottle's out. You only come around when the model's out. Where your ass be at when we be at the house? All this money make people act different. Ma fille n'est toujours pas là. Je suis le kidnappeur. Le kidnappeur? Comment ça? Allez, c'est parti. Faites votre possible, je veux retrouver ma fille. Ne vous inquiétez pas, on la retrouvera. On sait que tu as kidnappé la princesse de Brookhaven. Tenez, mais j'arrive plus à bouger. Mais où vous allez? Bon, je vais prendre l'hélicoptère. Je vais aller à l'aéroport. Oui. Et aussi, j'ai caché la fille. Allô, Jérôme? Ouais, bon, il y a un criminel qui va aller dans l'avion. Donc, tue-le, d'accord? Tu le tues. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai tué le criminel. Oui, mais il y a une mauvaise nouvelle. On va crasher. Oui, on va crasher, l'avion va crasher. Donc, c'est à vous de vous occuper de la princesse. Oh là là, c'est pas possible. Je sais toujours pas comment je peux sortir d'ici. Oh, j'arrive pas à y croire que le criminel avec les yeux bizarres, il m'a enfermé ici. Ça pue en plus, c'est moche. Oh, peur. Et en plus, il a un méchant assistant, il me donne même pas trop à manger. Oh là là, je souffre ici. Oh, j'entendais pas. Je crois que c'est lui qui arrive. Hé, hey, toi là, viens ici. Bon, je vais partir, d'accord? Donc, tu fais rien. Tu n'essayes pas de t'enfuir. Sinon, je te tuerai, d'accord? Ok, d'accord. Je m'enfuirai pas, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Bon, j'arrive, je dois appeler quelqu'un. Et après, je vais partir faire les courses. Il est toujours aussi méchant. Oh là là. J'espère que je vais réussir à m'enfuir. Parce que je vais essayer de m'enfuir. Alors, attends. J'ai oublié de regarder le code. Ok, d'accord. Tu m'as pas entendu, d'accord? Le code? C'est ça le code? Oh, ça va peut-être m'aider à m'enfuir. Bon, il faut que j'attends qu'il parte faire les courses. Alors, je mets le code. Voilà. Allez, je vais partir. C'est très bizarre. Je n'ai même pas de nouvelles de Spark Plug. C'est très bizarre. Je vais l'appeler. Allô? C'est bizarre, ça sonne pas. Allô? Non, il y a rien, c'est trop bizarre. Bon. Ça veut dire que je vais devoir m'occuper de la fille tout seul alors que je suis son assistant. Oh là là, bon, au moins il va payer. Toi, je vais partir faire les courses. Hein. Donc, ne tente pas de t'enfuir. Allez. C'est bon, je crois qu'il est parti. Bon. Le code, c'est... D'accord. Mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Il y a sûrement une erreur. Oh, attendez. Ah, à mon avis, c'est un calcul. Ok. 8 plus 1, c'est égal à 9. Et le 2, je comprends pas le 2 ici. Je comprends rien du tout. Ah, ça doit être les petits 2 là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Ok, donc 8 plus 1, ça fait 9. Et du coup, vu que ça, c'est peut-être le petit 2, et ben, on doit faire 9 fois 9. Et ça fait 81. Bon, je vais essayer. Alors... Oh, attendez. Ça marche. Oh, ça marche. Donc, le code, c'est 81. J'ai tout compris. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis en liberté. Par contre, il y a un problème. Je sais pas où elle est, ma maison. Je suis perdue. Oh non.
qu'est-ce que je vais faire? Je connais pas New York. Vu que je suis venue ici il y a pas très longtemps. Bon. Je sais pas. Ah, j'adore faire ma petite promenade. Quoi? Mais qui est cette jeune fille qui pleure là-bas? Je vais aller la voir. Bonjour, qui es-tu? Hein? Qui êtes-vous? Non, je te l'ai demandé en premier, ma petite fille. Bon, d'accord. Je suis la princesse de Brookhaven à New York, Fiona. Ah bon? C'est vous la petite princesse qui a disparu? Oui, c'est moi. Et je me suis échappée, mais je suis complètement perdue dans la ville, je sais pas quoi faire. Bon, tu sais quoi? Je vais t'héberger chez moi pour l'instant. Et on verra pour la suite. Oh, c'est vrai? Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes vraiment trop gentil. Oh, de rien, ma petite fille. Je veux juste te rendre heureuse. Je veux que tu rentres chez toi. Donc, vu que tu n'as pas de toit pour dormir, eh ben, je t'héberge chez moi. C'est le minimum que je peux te faire pour l'instant. Oh, mais vous êtes vraiment trop gentil. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si par exemple votre maison n'est pas très belle, ne vous inquiétez pas, je suis pas très exigeante. Hein. Moi je m'en fiche complètement. Vous êtes vraiment trop généreux, monsieur. Oh, c'est rien ma fille, c'est normal. Allez, viens, on y va. Voilà ma maison. Oh, mais votre maison, elle est trop belle. C'est même pas une maison, ça, c'est une villa. Oh, c'est trop beau. Oh là 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 là. Mais c'est dur que vous êtes riche alors. Oui, bien sûr, je suis riche. Allez, on y va. D'accord. Waouh, c'est vraiment trop beau. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Jérôme a fait un crash. Il est mort avec le criminel. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je suis choquée. Normalement, c'était mon pote et tout, il m'aidait à plein de choses, mais là, il est mort. Je suis vraiment choquée. Bon, je vais me concentrer à la princesse. Je vais aller voir des caméras de surveillance où elle peut être. Ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que mon pote est mort. Bon, allez, je vais voir des caméras de surveillance de la ville. Non, ça c'est la banque. Je crois que je vois quelqu'un. Je vais voir de plus près. Oui, c'est bien ce que je pense, il y a quelqu'un là. C'est peut-être elle. Bon, il faut que j'aille voir. J'espère que c'est elle et que je vais vraiment la retrouver. Allez. J'espère que j'aurai un coup de chance. Mais vous êtes vraiment riche, monsieur. Oui, mais j'ai pas besoin de tout cet argent de toute façon, hein. De toute façon, j'en suis sûr, je vais bientôt mourir. Déjà, j'ai une maladie très grave. Donc voilà. Oh, je suis désolée, j'espère que vous allez guérir. Merci, mais à mon avis, c'est impossible. Bon, si tu veux te changer, il y a des habits en haut. Ah, d'accord, ok. Et je crois que je vais dormir aussi. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. En haut. Il doit en avoir ici. Ouais, c'est trop bizarre. C'est la première fois que je porte un pyjama comme ça. D'habitude, je porte que des pyjamas de princesse. Bon, allez, je vais éteindre la lumière et je vais dormir. Cette princesse est vraiment trop bête. Elle ne sait même pas que je suis l'assistant de Sparkplug. Je l'ai vue s'enfuir. Donc, maintenant, je vais l'héberger. Comme ça, elle pourra plus s'enfuir. Et même, je crois que je vais la tuer parce que j'en ai marre. Je pense que Sparkplug m'a trahi. Mon propre frère m'a trahi. Il est parti comme ça, j'en suis sûre, pour que j'ai pas d'argent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer cette princesse. Bon, il faut que je fasse encore semblant et que je remette ma perruque.